Je peux pas vous laisser deux minutes sans que vous fassiez un truc complètement con. Oh, ça va, elle a pas fait exprès, tu vas pas nous en prendre une brique. Elle nous a dirigé tout droit sur une étoile. Et je dois trouver ça mignon! Une toute petite étoile mourante. On ne s'approche pas d'une étoile. Elle est à 7 millions de kilomètres, ton étoile. Et puis c'est une grande fille, t'as qu'à l'engueuler directement. Je sais, mais j'y arrive pas. Je gueule, elle me regarde avec ses grands yeux. Bon, ça suffit, oui. Non mais capitaine, ça va, écoutez. Regardez-moi, pas plus tard que ce matin, j'ai flingué tous les injecteurs. Je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai dû toucher un bouton qu'il fallait pas, y'a plus rien qui marche. Comment ça, tous les injecteurs? Bon, si le problème est réglé, je peux disposer? Non, parce que si on doit s'arrêter à chaque fois qu'on croise une étoile, on n'est pas rendu. La trajectoire était optimale. J'ai calculé la dérivée spatio-temporelle, la distorsion quantique, et j'ai orienté tous les réflecteurs. Orienter les réflecteurs? On peut orienter les réflecteurs? Oui, on peut. Mais c'est génial ça, on va gagner un temps fou. Bon, on bouffe ou on se touche? Le mettre en colère parce que j'ai encore eu tort d'avoir raison. Ok. Tant qu'on se touche. On ne s'approche pas d'une étoile! C'est arbitraire et parfaitement incohérent. Parfaitement. Et je m'en fous. Maître, vous avez déjà vu une étoile mourir? Non. Je veux dire que j'ai rarement envie de regarder quoi que ce soit en train de crever. Mmh. Ça fait longtemps que j'ai pas buté un truc. Rappelle-toi ce qu'on s'est dit, San. C'est une bonne chose. Je sais, c'est juste que ça manque un peu, c'est tout. Les réserves d'hélium finissent de disparaître après d'incalculables réactions en chaîne. Mais parfois, dans un dernier souffle, elle peut renaître. J'ai dit que j'avais la dalle. Vous savez quoi? Bon, ça ira pour cette fois. Capitaine? Oui, juste, vu qu'on en est rendu à une ambiance de pardon général, ce que je trouve très sain d'ailleurs, hein. Faut juste que je vous précise, mais le système de refroidissement est peut-être un tout petit peu mort. C'est-à-dire? Comment ça, c'est-à-dire? Je comprends pas. Quoi, comment ça, c'est-à-dire? Comment ça peut être un peu mort? Ah non, il est mort, il est foutu le truc, hein. On n'en tire à rien. Hein. Du coup, c'est vrai que la semaine prochaine, il risque de faire un peu chaud. Bien chaud, même. Carrément chaud, en fait. Carrément chaud. Celui-là, je crois qu'un jour, je vais me balancer par-dessus bord. Mais ça suffit, oui!